c'est Matt, bienvenue dans Reward. On est vendredi, on est content de vous retrouver. Il y a Yannick qui est là, ça va Yannick? Eh ben salut Matt, salut Ryan. Alors je constate que t'as la voix rock aujourd'hui. Ah oui, j'ai la voix rock. Et vous savez, je crois que je suis devenu un mâle ce week-end. Oh. Voilà. Il y a Ryan qui est là, ça va Ryan? Je peux rien dire après ça, je suis désolé, il faut que tu enchaînes. Mais tu vas voir, ça t'arrivera un jour. Vraiment, t'étais une femelle, c'est ça? Voilà, qu'est-ce que dire? Non, j'étais un pré-mâle. D'accord, ok. C'est-à-dire le pré de l'homme, quoi. Ok. Aujourd'hui, dans Reward, on a la chance de recevoir un petit génie. Voilà, je pèse mes mots en disant ça en plus. Nemo Schiffman, qui a 16 ans, a déjà fait ses preuves, non seulement en tant que chanteur, mais aussi en tant que acteur au cinéma, en tant que chanteur. En étant finaliste de The Voice Kids au début. Et on va parler de ton nouveau single, ça va Nemo? Ça va et toi? Merci beaucoup d'être là, je te présente Ryan et Yannick. Salut. Voilà, mais également aussi avec une nomination au César du meilleur espoir en 2014 pour ton rôle avec Catherine Deneuve, t'as donné la réplique à Catherine Deneuve, t'avais 13 ans quoi. Ouais. La classe dans Elle s'en va. Ouais. Alors toi tu décroches ton premier rôle à 3 ans. Dans Quelqu'un vous aime, à 5 ans tu tournes dans Backstage, donc en gros t'es carrément un habitué des plateaux de cinéma. Comment t'as fait pour avoir un rôle à 3 ans? Genre tu te dis... Le rôle à 3 ans c'est un peu venu naturellement parce que c'est ma mère qui me l'a donné tout simplement. D'accord. Emmanuelle Berthaud qui est réalisatrice. C'est ça. D'accord. Et le rôle à 5 ans aussi, c'est dans un film de ma mère. En fait les deux, à 3 ans et 5 ans, on peut pas appeler ça des rôles, c'était vraiment des apparitions. Des petits trucs comme pour m'amuser. D'accord, ça marche. T'as signé il n'y a pas longtemps chez Play One, où il y a Julianne... Play On. Mon anglais, je vous le dis tout de suite, mon anglais est totalement nul, je suis désolé. Il y a Julianne Peretta qui est là-bas, Willy William, etc. J'ai vu que tu étais parti à Los Angeles. Ouais. Pourquoi tu vas travailler à Los Angeles, en fait? Alors, déjà, premièrement, je suis parti à Los Angeles tourner donc, le clip de voilà, Will. De Will, on va regarder un extrait juste après. Et après, c'est vrai que je bosse beaucoup avec des producteurs américains. Et pour développer à l'international. C'est ça, et aussi pour avoir un son plus américain sur mon album qui sortira en France, okay. À l'automne. Et donc c'est pour ça que je vais là-bas. Quoi. C'était une très bonne question. Pourquoi avoir choisi cette toute petite ville, Los Angeles, pour faire de la musique? Non, mais du coup, j'ai juste une dernière question, parce que tu as 16 ans encore une fois. Comment on tu peux faire qu'il a 16 ans. Bah oui, mais j'appuie dessus parce que là, c'est important. Il appuie sur 16 ans. C'est important pour ma question. C'est vrai qu'à ce niveau-là de ta carrière, la prochaine étape, c'est la retraite, là, dans pas longtemps. Hein. Ouais. Non, mais tu fais du cinéma et de la musique. Est-ce que tu as le temps pour faire l'école, pour passer le bac? Ah bah carrément, je suis un peu obligé, ouais, je continue les cours. Ah ouais. D'accord, donc tu continues les cours, ouais, truc de ouf. Je sais pas pourquoi je vais faire elle. Allez, on va regarder, on les a cheveux, kiffé. Les cheveux peut-être. On a kiffé Will, qui est d'ailleurs disponible sur iTunes, etc. etc. Sur YouTube aussi, le clip. Ouais. Bah ouais, clairement, bientôt 100 000 vues. Regardez un extrait de Will, c'est Nemo Schiffman, et c'est génial, regardez. Ça ressemble un peu à du Justin Bieber sur les sonorités de son nouvel album. C'est un compliment si on te dit ça, oui. Bah si c'est sur le dernier album de Justin Bieber, oui, c'est un compliment. Ouais, voilà, c'est ça. Après, avant, c'est parce que j'étais pas très très fan, mais si c'est par rapport à son dernier album, ouais. Ah, avec les producteurs avec qui il a travaillé notamment et tout. Merci beaucoup en tout cas, Nemo, et plein de succès. Mais c'est pas fini, t'inquiète pas, y a Ryan qui t'a préparé un petit truc.